Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Dernière minute, vaste chamboulement au sein de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a opéré à de nombreuses nominations des cadres supérieurs de la police. La liste complète des nominations. Pour compter de la date de signature de la présente décision, les cadres supérieurs de la police nationale dont les noms suivent reçoient les nominations ci-après. Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Maudi Diaye. En fin de détachement, est nommé conseiller technique du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Dianga Diop, précédemment directeur du groupe mobile d'intervention, est nommé conseiller technique du cabinet du directeur général de la police nationale. Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Ibrahima Diop, précédemment directeur de la sécurité publique, est nommé conseiller technique du cabinet du directeur général de la police nationale. Commissaire de police, Abouba Rim, précédemment chef de division des services de la direction de la formation, est nommé commandant de l'école des sous-officiers de police. Commissaire de police Maktar Bengue, précédemment adjoint au chef de la division formation de la direction de la formation, est nommé adjoint au commissaire spécial de l'aéroport international Blaise Diagne. Commissaire de police Abdoulaye, précédemment chef de l'unité en charge du BRT, est nommé commandant du groupe opérationnel du Diobrel. Commissaire de police Mustapha, précédemment commandant du sous-groupe opérationnel Intergamet, est nommé commandant du groupe opérationnel de Saint-Louis. Commissaire Alpha Omar, précédemment commissaire d'arrondissement de Guinaray, est nommé commissaire d'arrondissement de Zakboa. Commissaire de police Binetou Guise, précédemment commissaire d'arrondissement de Zakboa, est nommé chef de la division des affaires judiciaires à la direction de la police judiciaire. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.